Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les amis, découverte du jeu Pokémon Unite, qui est sorti sur mobile, enfin, on l'attendait, il est sorti sur Switch il y a 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. Et c'est un MOBA, les amis, donc genre League of Legends, etc. On rentre dans un dans une espèce d'arène, on est à 5 contre 5, et le but est de faire le maximum de points. En l'occurrence, dans Pokémon Unite, il faut tuer des petits monstres qui se baladent dans la map ou qui sont postés dans la map. Et vous récoltez voilà, des petites, des espèces de petites trucs, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et au bout d'un moment, vous allez chez l'ennemi et vous smatchez, vous mettez ça dans les espèces de petites bases de l'ennemi. Ce qui vous fait gagner des points, celui qui a le plus de points gagne. Le jeu est juste une petite beauté, les amis. On va aller se faire une petite partie ensemble. Vous allez voir ça, c'est vraiment du vrai plaisir. Je suis sur iPad. Alors, on peut jouer aussi sur Switch, sur émulateur, bien sûr. On peut jouer... alors, il faut savoir un truc, c'est que on peut lier son compte Switch et mobile. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Genre, si vous avez... un beau compte Switch où vous aviez pas mal de Pokémon, vous pouvez les récupérer sur mobile grâce à la grâce à, dans les options, grâce à une option qui permet de lier le compte. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est moi que j'avais pas mis prêt. Bon, moi, je vais prendre mon petit Dracaufeu. Je vous le dis direct, j'adore Dracaufeu. J'ai fait une petite partie avant que j'ai enregistré d'ailleurs, mais j'ai eu un problème d'enregistrement du coup je me suis dit tant mieux, ça va me permettre de pouvoir faire une autre petite game, donc du coup je suis content. Le jeu est super en termes de fluidité de gameplay, c'est vraiment de la patate, je vous le dis direct, voilà. C'est vraiment de la patate. Ça fonctionne très très bien en tout cas sur mon iPad. J'ai pas regardé s'il y avait des possibilités d'améliorer les graphismes ou quoi, mais sur mon iPad ça fonctionne très très bien, donc j'imagine que sur mon téléphone ça devrait marcher aussi bien. Il est plus puissant je crois mon téléphone, donc ça devrait aller pas mal. Au niveau du gameplay aussi c'est très agréable, vous allez voir, c'est super fluide, c'est super simple à jouer, il n'y a pas 50 000 trucs à faire. Tout se passe dans le skill du joueur quoi, hein. Il faut hop, on va prendre ça, c'est un petit stun. C'est une petite AO, je veux dire. Il faut clairement esquiver en fait ce que les ennemis te mettent, parce que ils te mettent tellement de trucs. Là, on va tuer ça. C'est des petits monstres en fait qui vont nous permettre de récupérer quelques boules. On les voit en bas à gauche. Là, j'en ai 4 sur 30 et qui vont me récupérer aussi de prendre un peu du niveau. Et grâce à ce niveau là, tu vois, j'arrive, j'ai mes skills. Et là, on est au milieu de la map. Hein. Vous pouvez voir la map en haut à gauche. On est au milieu de la map. Donc potentiellement, on va peut-être tomber sur des ennemis. C'est le cas d'ailleurs. Hop. Ils sont deux face à moi, donc là je suis pas en bonne posture. Hop, je vais essayer de pas quand même me laisser faire. Hop, voilà, donc là. Ici on peut régénérer un peu de vie, donc ça fait plaisir. On va les laisser farm. Je vais plutôt rester avec mon pote, Monsieur Mime, qui a décidé de farmer. Ah ben il y a un ennemi là-bas. Hop, tac, on va essayer de le. Voilà, on va essayer de la race un petit peu de loin. Ah, lui il tire de très très loin par contre. Et, oh mais il me tire de très 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 loin même, c'est assez incroyable. Ok, on va essayer. Ok, on est à 2 contre 1. Faut qu'on le tape. Ça a l'air d'être un espèce de support, ça. Hop, on va l'avoir, je pense. Ok, bien joué. On a chopé les deux. Donc là, on a récupéré toutes les boules qu'ils ont récupérées. On les a récupérées. J'en ai 10 sur 30, on peut voir en bas. Donc là, je suis très très bien. J'ai plus de vie, par contre. Donc, je vais aller très très vite me heal en mettant un peu de dégâts, quand même. Donc là, en fait, le délire, c'est que plus je vais gagner d'expérience... Plus je vais évoluer. Au bout d'un moment, je vais passer en Salamèche. Et là, je vais faire beaucoup plus de dégâts. J'aurai des attaques améliorées. Et surtout, après, je vais passer en Dracaufeu. J'aurai l'ultime du Dracaufeu. Et l'ultime du Dracaufeu est juste fou. Donc, on a toujours 2 mecs sur notre lane. Voilà, lui, il est là. Bah là, déjà, je fais beaucoup plus de dégâts parce que je suis level 4. Il est level 3. Voilà. Ok. Il a fait une petite AOE qui a fait pas mal de damage. Il stun. Oula, il est fort ce personnage. Il stun. Il est. Hop. Voilà, on va pas le laisser tuer notre pote. Il stun beaucoup, lui. Il stun beaucoup. Il va m'avoir. Il stun beaucoup, mais il est au corps à corps du coup. Oh la vache! Oh, c'est abusé les dégâts qu'il fait. Oh là 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 là! Oh, lui, il a un early. Alors lui, après, on va le désingue. Hein, parce que tout à l'heure, j'ai fait une partie contre lui. Dès que je suis passé en Salamèche, il a beaucoup moins fait le malin. Mais par contre, il a un early game, un début de jeu. Très très fort. C'est assez impressionnant. Bon, il est. Le monsieur Mime est en train de faire le ménage. On va essayer de vite le rejoindre. On prend les buffs vitesse. Voilà. Il est là-bas. Faut y aller. Faut l'aider. Hop, voilà, tac, il va y péter. Ça serait pas mal qu'on arrive à récupérer. Il y a quand même 4 boulettes dessus. Voilà, ok, j'ai récupéré. Derrière nous, il y a quelqu'un.
Ok, il est mort, ça s'est bien passé. On essaye de stocker un peu de boulettes, j'en ai 11. Voilà, on met une AOE, on essaye d'attirer les... Voilà, les mobs dedans. Nickel. Là, je me blinde. J'aimerais bien passer en salle... Ah, c'est bon, je suis passé en salle à mèche. Donc là, on est très très bien. Là, le but, ça va être d'essayer d'aller leur mettre un petit smash. Ok. Alors lui, je sais pas s'il est au courant. Mais je vais le dézingue. Ah ouais, ah, il est pas au courant, je crois. Allez, 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 il est seul, je le défonce. Ok. Je vais essayer de poser ça, j'en ai 26, c'est énorme. Faut qu'on me protège. Ok, nice. En dessous, il y a du monde. Ils sont 2 contre 1, mais je fais beaucoup de dégâts. Alors là, j'ai pris une nouvelle attaque que je connaissais pas. Alors regardez les dégâts que je pose. Je fais des dégâts, c'est juste insane. Il est mort, je pense. Ok, il est pas mort. Lui aussi, il fait beaucoup de dégâts, mais il est au corps à corps, donc... Moyen de le... Hop, voilà, je les stun. Ok. Ah, il se tapait sur moi, c'est vraiment la merde. Mais je suis pas tout seul. Par contre, je sais pas pourquoi mon perso s'est arrêté. Hop là. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je suis passé par le bush, du coup ça s'est bien passé. On est bien les gars, on est bien. Allez, je vais heal un peu. Tac tac, je vais me heal un peu. Je pense qu'on est en avance en termes de points. Je vais me mettre full life. Puis après je vais aller tuer juste en dessous de moi, je crois que ça se passe. Ah ouais. Ah ouais, mais vas-y, viens dans ma base. Viens dans ma base, moi ça me dérange pas. Eh oui, voilà ce qui t'arrive. Il a... En plus il en a 30 sur lui les amis. Voilà, tiens. Oh, il est passé full life d'un coup là. Ah, mais c'est lui qui m'a attiré ou quoi? Allez, 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 il en a 30. Oh non, comment il a fait pour larder ça lui? Putain, il en avait 30 sur lui quoi. Il y a de la vie là, ça m'intéresse. Il en avait 30 sur lui. Hein. Ça aurait été beau de récupérer ça là, franchement. Hein. Ça aurait été très très beau. Il faut casser ça en fait en faisant des petits smash, donc tu récupères. Ah ouais, ah mais c'est pas mal le bout de feu en vrai. Ouais, c'est pas mal, c'est une petite charge. Ça peut être pas mal. Je connaissais pas. J'avais pas pris. J'avais jamais pris. Ah, il y a quelqu'un là-bas en dessous. Ça peut être très bien pour rattraper du monde. Ok, 2v1. On devrait le démonter, je pense. Hop. Ok. Bon, je l'ai fait, mais pour rien. Je récupère ces boules. J'en ai 10. J'essaie de récupérer le boss. Parce que bon, c'est quand même 20. Attends, il y a l'autre au-dessus. Il y a l'autre au-dessus. Ça sert à rien, on l'aura pas. Continuez comme ça. Ah, il a tué l'autre par contre. Oh, les dégâts qu'il fait lui. Oh, attends, c'est n'importe. Attends, il est level combien lui? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il fait des dégâts pareils? Il vient de littéralement me dézingue en 2 secondes. Je pense qu'il est très très bien dans sa game. Et pourtant je suis level 8 et je crois qu'il est level 8 aussi. Mais les dégâts qu'il vient de me mettre... Bon, ils ont pas encore touché à notre base, je crois. On est à 50 sur 80. Ils en ont mis 30, ça va. Ça pourrait être pire. Où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est parti. C'est bizarre quand même qu'il soit parti. Ou il attend ses potes? Où est-ce qu'il est? C'est marrant. On va pas se laisser faire. Essayer de leur récupérer des trucs dans leur camp. Hop là, je récupère ça, je me casse. Choqué, je suis en drac au feu, alors là c'est pas du tout la même. Là par contre je sais pas si t'es au courant, mais je vais probablement te désingue. Il est le 29, moi aussi. C'est vrai qu'il fait beaucoup de dégâts lui. Hein. Il a des attaques qui font beaucoup de dégâts. Hop. Voilà, regardez bien ce qui va se passer là. Eh oui. Donc là, je suis intouchable. Voilà. Et je les désingue. Ok, c'est fort, Dracofeu. C'est juste incroyable. J'essaie de le choper, lui. Je crois qu'il fait pas trop de dégâts. C'est plus un support. Il fait mal. Ce que je suis en train de lui mettre. Oh là là. Oh là 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 là. Le boss, on va le laisser de côté. Je suis totalement seul en bas, toute ma team est en haut, les amis. J'ai besoin d'aide, help. Je vais me heal un petit peu. On a clairement le dessus, mais ça serait pas mal qu'ils arrivent à prendre le truc en haut. Oh, il y en a un, il y a 40 ennemis là. Il y a un ennemi, il a 40 boulettes. Bon, je suis à 27, tu me diras. Il a 40 boulettes sur lui là. C'est vraiment énorme. Oh, ils l'ont eu en plus. Ah non, ils l'ont pas eu. Ok. On est vraiment bien. Non, mais moi, je fais des dégâts. Hein. Ah ouais, en plus, on est 2. Là, voilà, hop. On va récupérer ça, j'en ai 30, on va les poser rapidement. Et the beam smash. Bon, il est parti l'autre qui est fort, j'ai l'impression. Donc ça, c'est plutôt bien. Ah, par contre, en haut, il y a un mec, il en a 40. Ça m'intéresse. Oh là, il y a des trucs là. Ça m'intéresse quand même pas mal, on va pas se mentir. Ah, ils sont tous en haut. Hein. Ils sont tous en haut. Faut protéger le haut, je pense. Ah, je vais arriver, je vais être tout seul. Par contre, j'ai pas d'ulti, 85%.
Je vais passer par là, tac tac. Ils sont en train de faire le boss. Ah d'accord, donc quand ils font le boss, ok, ils nous attaquent après. D'accord, le boss est en train de nous attaquer, je crois. Ok, ok, ok. Ah ouais, c'est pas mal ça. Hop là. Moi aussi je peux t'attaquer, hein, tonton. Ok, on a le boss là. On va le tomber. Faut vite le tomber parce que je sais pas ce qu'il peut faire, mais je pense qu'il peut attaquer nous. Continuez comme ça. Je pense qu'il peut attaquer nos bases. C'est la première fois que je vois le boss. On l'a pris tout à l'heure, j'ai fait une game, on l'a pris. Mais attends, il y a un gars, il a 44 chez nous, faut le protéger. Hein. Par contre, faut le tomber les mecs. Hein. Attends, mais pourquoi ils partent? Ils vont fight au milieu? Il aurait fallu tomber. On serait tous là, on aurait tombé en 2 secondes. Je vais me mettre. Ah, je perds trop de vie. Hein. Je les stun. Je me dis qu'il va peut-être mettre un peu moins de dégâts. J'essaie de le faire décéder. Voilà. Bon, mais j'ai protégé là. Je pense que c'était le truc qu'il fallait faire. Où est-ce que ça se passe du coup? Ok, il y a du chaos. Il y en a un qui a 50. J'ai 43, les amis. Alors, je dis ça, je dis rien. J'ai 43. Au-dessus de nous, il y a du monde. Hop là, le petit hors-tank qui prend une châtaigne. Hop, ultime. Et bim! Voilà, ça dégage. Moi, je vais poser mes 50. Là, j'ai 50. Ok, on l'a eu. J'ai encore mes 50? Faut que je les pose. J'ai 50, les amis. Faut que je les pose absolument. Ça va être long. Ça va être long. Faut pas que je me fasse attaquer. Je me suis fait stun. Normal. Eh oui, mais... on était 3. Regardez bien où sont mes mates. On était 3. Ils sont tous partis au milieu. Y a rien, en plus, au milieu. Il y a l'articodin qui a pop, hein, je suis d'accord, mais... Alors, en fait, au milieu, il y a un boss qui pop. Et quand vous le prenez, ça donne pas mal de trucs. J'aurais peut-être dû aller avec eux, hein, mais bon, j'étais full. J'étais full. Hop, on va améliorer ça. J'étais full, du coup, j'ai préféré partir. C'est super serré, hein. C'est super serré. J'ai l'impression que mon équipe joue très très bien. Donc ça devrait pas mal le faire, en vrai. Il reste 6 secondes. Il y a un petit hors-tank là-bas, j'ai envie de lui mettre une petite châtaigne gratuite, quand même. Hop là. Bon, est-ce que c'est la win? Je crois qu'on a perdu. Hein. Je sais pas si on a eu l'articodin, je suis pas sûr. Oui, on a win, les amis, 300k sur 217. Voilà le jeu, c'est un petit MOBA, comme ça, vraiment top, franchement. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de plaisir à le prendre. Ah oui, je suis premier, 7 kills j'ai fait. 4 kills, 0, 8 et 0, d'accord. On a quand même deux mecs qui étaient en mode vacances, ça fait plaisir. Et j'ai fait 72 points, donc je suis premier. Voilà, on en est là, les amis. Voilà, franchement, le jeu est vraiment super, très facile à prendre en main. Pas énorme, je crois, en plus, en termes de taille. Et vraiment, ouais, vraiment, vraiment plaisant. C'est un bon petit jeu. Les parties sont super rapides, ça dure 10 minutes max. Et ensuite, vous avez un ladder. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a un ladder, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont classées pour débloquer les Pokémon. Ce sera petit à petit, en fait, en avançant dans le jeu, vous allez débloquer des laissés-passer qui vous permettent d'utiliser tout simplement les Pokémon, les différents Pokémon qu'il y a. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Merci à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous bien sûr. Il y aura peut-être des vidéos du jeu parce que j'aime beaucoup le jeu. Donc abonnez-vous. Merci à tous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.